Et donc salut à tous les amis, ici Mister B alias DMJCD. J'espère que vous allez bien, personnellement moi ça va super. Et donc on se retrouve aujourd'hui en compagnie du Kojitza. Bonsoir. Comment tout va? Bien. Ce regard que tu me fais mon gars, ça me fait flipper. Oh, t'as les yeux marrons. T'as les yeux de cochon. Ok, bon du coup on va sortir d'ici. Sortons d'ici, cet endroit nous rend fou. Sans nous. Donc pardon. Voilà, on est déjà à l'épisode 5 de cette série, tandis que l'épisode 1 n'est même pas encore publié, nous avons déjà tourné. Faut pas la laisser passer. Faudrait que t'ailles raqué. Voilà. Très bien, la cinématique a duré trop vite, j'ai pas eu le temps de finir. Du coup, c'est pas grave. Ok, on va s'y rendre par là-bas. Ouais, d'accord, tu t'es TP pour moi, c'est pas grave. Ok, c'est parti. Très bien, je te follow. Enfin non, je te... Non. Où t'es? Où tu vas, Kojitza? Très bien. Tu es un gars de l'échelle, toi? What? Oui, je suis un gars de l'échelle, moi. Je suis chez Mamadou, le réparateur. Bonjour, chez Mamadou. Chez Mamadou. Mamadou, réparateur. Et regarde comment je répare bien les cerveaux. Oula. Coucou, chez Mamadou. Tu veux que je répare ton cerveau avec ma grosse clé à molette? Ok, le mode délire. Regarde comment je répare bien les... Dégage, toi! Bah oui, j'ai clair, tu dégages et puis tu te tais! Violence! Regarde comment je répare bien les cerveaux, moi, en tant que Mamadou réparateur! Chayette, tout va mieux? Dégage, toi! Quand Mamadou a décidé de frapper, il le fait pas de moitié. Moi non plus. Elle est où, ma... Elle est où la clé à molette de Mamadou réparateur? La tu cul. C'est pas bon. Ok, petit couteau. Marteau de maçon. Tu as jeté ton marteau de maçon. Ah bon? Oui, tu as jeté ton... Bah, ce que j'ai compris, oui. Faut que tu m'aides. Quoi ça? Faut que tu m'aides. Je suis pour toi. Oh, mais tu me fais chier, toi. Mais merde, laissez-moi. Il est où mon petit marteau ah, de... Ah voilà. Il est où mon petit marteau de maçon? Je vais te l'ordonner, tiens je voudrais juste niquer la madame là. Bonne. Baqué. What? Marteau de maçon, voilà il est là ton petit marteau de maçon. Non c'est pas le même, mais bon je prends. Si si c'est lui. Non non, moi il est là le mien, il est dans ma poche. Ah bon? Oui. Bah moi je sais pas, j'ai trouvé un marteau de maçon. Que le mien il est modifié, voilà, parce que moi je suis une racaille. Non, s'il te plaît, le temps que je me rééquipe de ma... Sinon, dégage, lui, toi. Lui, faut faire attention. Oui, oui, ça... Ça te fait plaisir. Oh la vache! Bah écoute, je crois que j'étais... Ça lui. Va péter! Non. Tais-toi! Le pizza, c'est excitant. Oula, bon, c'est toi qui arrive, là. Il est toujours pas mort. Là par contre ça va péter. Oh putain. C'est que toi tu m'as cassoulé. Boum dans ton cerveau. La lampe UV ça ramollit vraiment le cerveau. Voilà. Quand on dit la lumière et tout là, ça pique les yeux, toutes les conneries. Et bah c'est vrai. Aïe. Ok. C'est ça marque-toi toi. Ça fait 5 épisodes qu'on enchaîne la fin. 4 épisodes. Fais gaffe, cours, t'arrives pas. J'ai vu, oui, merci, tu peux le dire. Putain, Kojitza, t'arrêtes surtout pas de courir, sinon c'est la mort. Voilà, va falloir que tu t'arrêtes un petit peu de courir. Kojitza, viens m'aider, parce que là, je suis décédé. Si tu peux, viens me sauver, là, je suis en train de crever. J'ai le bras dans l'air. J'ai fait 5 points de dégâts. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah ouais, d'accord.
Toi, quand tu meurs, tu déconnes pas, hein, c'est... Ouais, mais tirez-vous, trop de monde. Aide-moi. Oh putain, autorise-moi tu. Est-ce que tu m'autorises à tirer une balle en cas de... Oui. Ça va être Ouais merde. Dégage toi. C'est bon, il est mort. Mais fais pas de bruit, ce flingue. Bonjour. Je suis le pistolet de monsieur BMJCD, docteur BMJCD, appelez-le comme vous voulez. Je vous fais cette petite parenthèse car je proteste. Dernièrement, on vient de me dire que je ne faisais pas de bruit. BMJCD, je t'emmerde. C'est tout ce que j'ai à dire. Ma maman, elle a toujours dit que j'étais celui qui faisait le plus de bruit. Voilà. Au revoir. Mais non, il fait pas de bruit, mais c'est pas grave, il tire. À la limite, on pourrait faire quelque chose. Hein. Ah, t'as pas des molotovs? Non, mais j'ai de quoi faire kaboom quand même. Ah, mais fais kaboom alors. T'as rien derrière toi et tu verras de quoi j'ai pour faire kaboom. Oh yes! Merde! Oh merde! Oh, merde. On va se faire niquer, Jackie! Gère! Coup de jig, ça t'arrête pas! J'ai vu. Ok, bon, kaboom! Bon. Ouais. Tire-lui une balle. Kaboom! Putain. Je m'éloigne. Mais toi, il fait pas kaboom, le con. Attends, il brûle, le machin. J'ai pris plus que de le taper, le machin. Kaboom! Montrez aux abonnés. On a jamais vu autant de sang. Attention! Putain. Casse-toi, toi. J'ai foutu un coup de marteau dans la face. Putain, il est intelligent. Bon, d'accord, il est pas si intelligent que ça, mais il s'est fait tuer par moi. Dégage, putain. Ouais, bloc de son de ouf, quoi. J'ai entendu... Oui, non, c'est tout à fait normal, c'est ici que j'ai activé un piège lumineux. Très bien, ok. On s'arrête pas de courir, les amis. On ne s'arrête pas de courir. Voilà, quand je vous avais dit que mes problèmes de lag étaient réglés, ce n'était pas des bêtises, vous pouvez le constater. N'est-il pas, et à ce moment-là, il me baisse de FPS. Non, en fait, les couilles. Attention! Quoi, attention? Lui? Ping! Ping! Lui? Faire attention de quoi? De lui? Le petit machin pas. Salut. Tu veux faire la paix avec moi? Viens, on danse. Ouah, j'ai trouvé les Simpsons! Oh la vache! J'ai trouvé Marge! Bon, atteinte calvitie, mais j'ai trouvé Marge, putain! Marge? Oui, Marge. Calvitie, c'est plus Marge. Marge sonne. Contactez le greu. Attends, viens pour qu'on contacte le greu. Comme d'habitude sur le toit. Marge Simpson. Je t'attends. Bah, hop, je suis la Michelle. Pistolet 9mm allemand. Hop, hop. Alors, si vous voyez la vue de Code Xas, parce qu'il y a eu un bug XY, et si vous voyez ma vue, c'est qu'il n'y a eu aucun problème. Et c'est Crane. Ok. Au rapport. Nouvelle mission pour Rice. Ça va être sale. Mamadou, t'as entendu? Ça va être sale. Bien nettoyé. Il m'envoie récupérer l'argent du racket auprès des rescapés du secteur. Tu peux te soigner? Faites ce qu'il dit et ne le lâchez pas. Gardez bien les enjeux en tête. Tu peux te soigner? Plus de quoi me soigner, malheureusement. Faudrait que... Non. Oh, pardon. Est-ce que t'aurais pas des leeches? T'aurais pas des leeches avec... là. Hein? T'as pas de quoi fabriquer des soins avec tes plans un peu, des fois? Pas du tout. Est-ce que tu pourrais me donner... Est-ce que tu as du leech des... Attends, comment ça s'appelle? Leech toxique? Non, j'ai absolument pas ce que tu me demandes. Ah, merde. Par contre, on peut aller en chercher juste à côté, donc là-bas. Ouais, mais on va éviter de perdre du temps. Non, 60 mètres, c'est en face. Évitons de perdre du temps. D'accord, on ira le chercher après. En neuf, ouais, tout à fait. Ok. Bien sûr. Tic,
Ok, hop, on va passer par-dessus. What? Ok, lampe UV, les gars. Ça va cassouler. Ping, 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 ping. Ok, on esquille et on s'en va. T'es toujours à ta lampe UV? Parce que si tu veux, je peux te la réactiver. Karim, je suis au garage. Ok, c'est bon. Fais ce que je t'ai demandé et dépêche-toi. Ce n'est que le premier arrêt. Bon, d'accord, ça veut pas s'ouvrir, c'est pas grave, on va toquer. Persuader déjà, enfin, ça se fait pas quand même ce qu'on fait quand même. C'est un peu bâtard. J'avoue. Vite quoi, on va persuader des pauvres survivants qu'on va demander. Bon, je suis en train d'essayer toutes les portes du monde. Oui, sinon tu peux peut-être faire le contour et venir par là et puis rentrer. Pelle militaire, putain, l'attaque du 68. Et la pelle militaire à l'attaque du 68. J'ai trouvé comment on rentrait. Une pelle militaire, mec, ça existe ça. Oh, petit couteau de chasse niveau 6 est super cool. Pelle militaire, petit couteau exquis. Un pied de biche, ok. Et non, mais je te jure que le petit couteau de chasse, il a l'air sans place. On va voir Jafar ? Ouais, moi je reviendrai ici m'acheter le petit couteau de chasse un peu plus tard et puis ben voilà. Ouais. De toutes les boutiques d'Aran, la mienne est la moins merdique. Dans toutes les boutiques d'Aran, la mienne est la moins merdique. Oh putain, en plus. Et toi, Jafar ? Ça dépend, t'es qui toi ? Mon nom n'a aucune importance. C'est Rice qui m'envoie. Et tu lui dois j'ai de l'argent. Vu dans toi. Je te connais pas. Qu'est-ce qui me dit que tu viens de la part de Rice? C'est horrible, je vois. Allez, tes cheveux, tes sourcils. Que je te propose? Je te casse les deux jambes et je te traîne jusqu'à chez Rice. Comme ça, il pourra t'expliquer pourquoi t'aurais mieux fait de coopérer. Ça va. Tu fais clairement partie de la bande de Rice. Je sens que des brutes impitoyables. Voilà ton argent. Prends-le. Et si je dois revenir ici? Je me tiendrai à carreau, promis. T'es chez toi ici. Mais me frappe pas, d'accord? Et là, je me mets droite. Lol. Ok, bon, je j'ai envie de le faire quand même. On peut pas, malheureusement. Karim, je suis un connard, tiens, va te faire foutre. Je viens de menacer un vieillard de lui casser les jambes. Et ça a marché, je parie. Bon, maintenant tu vas chercher la taxe au village des pêcheurs. Mais on était tellement pas convaincants quand on disait je vais te casser les jambes, tu sais. Genre, ouais, tu viens parce que sinon, je vais... C'est quand qu'on va vraiment péter les deux jambes de quelqu'un? J'aimerais bien péter les deux jambes de quelqu'un pour de vrai, moi, tu sais. Allez, salut! Oula, pousse-toi, y'a un gros qui m'atterrit dessus. C'est quoi ta pelle? Voilà, moi je lance des pelles. Boum, dans ta gueule. Oh! Ok, moi je vais me défendre avec mon petit couteau. Ok, bah écoute, moi j'ai rejeté toutes mes armes. Oh, c'est trop bâtard ce que j'ai fait. J'ai planté mon petit couteau et puis après j'ai rappuyé encore plus. En fait, oh, un petit monsieur. Bah ok. Attention, ça va. Tout va bien, rassurez-vous. Gert. Fais perpète que je l'ai, moi, mon petit couteau, n'empêche. Oula. Oh, cher. Attends, je vais réparer ma batte, moi, parce que... Oui, j'ai rien dit, excusez-moi, y a aucun problème. C'est juste que j'étais concentré pour tuer du zombie comme vous pourrez le voir. Je fais des courses pour Rice. Et il est très puissant et tout le monde a peur de lui. Ça, c'est sûr. Bon, écoute, attention derrière toi. Oui, je sais. Pour ça, je crois. Mais je commence à m'inquiéter. Je fais de mon mieux, Brecken. Je sais, je voulais juste m'assurer que tu es 50 millions de fois plus vite que nous, les connards. Ouah, j'étais infecté. La motivation me manque pas, crois-moi. Très bien. J'espère juste que tu pourras rentrer à la tour rapidement.
Ah. Ah, puis en plus j'ai perdu. Oh non, je suis mort. Là, t'es un peu trop. Rien. Trop long en fait. Tu ferais mieux que toi. T'es à une minimap quoi. Une moitié de minimap. What, c'est trop. Y'a trop de zombies là. Putain. Merde, ça va être la merde, ça va être la merde, ça va être la merde. Merde, 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 c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Oh, et puis là, je suis encore plus loin, j'ai repop à l'endroit. Je savais que c'était mieux, c'est qu'il fallait que tu viennes me secourir. L'argent, tes petits copains. Oh, puis en plus, je l'ai vraiment balancé par-dessus. Et elle est pas morte, ce qui fait qu'elle est vraiment partie rejoindre ses petits copains. C'est beau comment ils m'obéissent. Limite, je pourrais acheter un pétard et puis passer, non. Moi, quoi que non, je vais faire un Yamakasi tout simplement. Économise tant que tu peux. Gère. Ouais, tu savais que c'était une connerie de passer ici. Putain, il m'a dit viens boire un coup. Oh, mais attends, non, en fait, c'est pas viens boire un coup, c'est surtout qu'il y a un militaire qui me vend des trucs ici. Bat classique. Je reconnais l'endroit. Quel militaire, putain, là, c'est de l'arnaque là-bas. Kojigza. Eh, c'était de la grosse carotte. La paix militaire, là, ouais, 2672. Mais ne fais pas trop de bruit. 2570, pardon, alors que l'autre côté a coûté 3000. C'est bien fait niquer, putain. Du coup, je vais vendre. Je vais vendre de quoi m'acheter. Moi, je vais vendre mes objets de valeur, donc merde. Acheter. Ah putain, il me manque 30 dollars, ça pue. Produits chimiques, je vais pas les vendre. Je vais vendre mes crochets, à la limite, j'en ai trop. Tu trouveras pas de meilleur. Je crois que je vais m'acheter des kits de soins. 577, ok, j'ai plus que 7 dollars. Okay. Du coup, qu'est-ce que je peux racheter d'autre? Des pétards, oh là là. J'ai plus rien à acheter, shuriken. De soins, toi. Il en vend, ouais, il en vend, mais ça coûte 100 dollars et j'ai pas 100 dollars. T'as pas 100 dollars? Mais non, j'ai tout claqué pour m'acheter l'appel militaire. Ah ouais, d'accord. 3000, ah oui, c'est ben. Ça. Tu trouveras pas de meilleur prix. T'as l'appel militaire, toi? Non. T'as pas l'appel militaire. Si, j'ai l'appel militaire. T'es sûr? Bah, ma grosse pelle, quoi. Non, c'est pas une pelle militaire. Ici Jade. Non, c'est une pelle croque-moi. Si regarde, c'est ça, la pelle sûr, militaire. C'est une pelle avec du couteau, là, regarde. Et vous êtes à la limite. C'est une pelle couteau. C'est la violence. T'as vu? Ça, c'est une pelle militaire. T'imposes le respect. Ok. Allez voir le messager, pardon. Entrée du tunnel. T'es par... Ah d'accord, t'es par là. On se croirait dans Slender de nuit comme ça quand t'allumes tes phares, on va dire un phare. Ah, on devrait peut-être aller dormir en fait quand on y repense. On peut pas dormir, je te rappelle. Oui, il fait pas encore assez nuit, mais on devrait peut-être attendre la nuit. Non, c'est... Non, non. Autant avancer, non. Il y a qu'une envie, c'est de survivre la nuit, quoi. J'ai qu'une envie, c'est de survivre la nuit, parce que c'est plus d'XP, mon gars. Ah, ça y est. De quoi, ça y est ? Y a un trou du... C'est la nuit. Il y a un trou du... Ah, oh, merde, il y a un... Ah, il y a un baveux, il y a un baveux. Oh, je suis mort. Je vais crever. Si, je suis mort. Ah, shit. Bon, bah, quand je te dis, la nuit, c'est une connerie. C'est pas grave, voyons. Ton... Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va dormir parce que c'est quand même 600 points dans le cul. Je sais pas à quoi ça sert, mais ça doit servir. Hein? Moi, j'ai perdu 120 points. Non, je m'en fous, je ne dormirai pas. Dors pas si tu veux, moi je vais le faire. Non, en fait, non, s'il te plaît. Non, sans doute. Ah, en plus, il dit attendre jusqu'à la nuit. Il propose attendre jusqu'à la nuit. C'est non, tout. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Toto. Oh, putain, je suis au niveau de du soi-disant mec que je dois aller voir, mais à mon avis, il doit être dans le tunnel. Ah, j'avoue. Foire cette histoire. Ça y est, il fait nuit. On s'en fout, frère.
Ouais, c'est ça, il est dans le tunnel. Tu viens? Ouais. Oh putain, ça, quand, tu vois quand ta montre a fait bip bip. Ouais. 20h59. What? Mais montre elle a fait bip bip et du coup il y avait écrit 20h50. Enfin, il y avait écrit 21h50. Là il fait nuit, là t'as de quoi t'inquiéter. Les points d'agilité de puissance sont doublés. Tu peux jeter. Ouais, non, c'est une connerie en fait. Ah, c'est... Et j'ai failli t'attaquer, hein. On n'est pas pour n'importe quoi, on est suivi. J'avoue, j'avais oublié moi. Oh, c'est classe là-dedans. Fais gaffe, baisse-toi. Il y a des mecs à gauche. Bon. Il y a des mecs à gauche. Tu viens? Il y a des mecs à gauche. Oui, en fait, tu vois quand t'appuies sur A, tu vois les zombies à travers leurs os. Bon, remarque, tu me diras. Ouais, crache ça, s'il te plaît. Ah ouais, moi non plus. Mais c'est pas grave, tu me diras, je vais... What? Ok, il y a des zombies, très bien. Je vais fabriquer un ou deux crochets, parce que limite, j'ai... Ouais, moi aussi, je vais m'en fabriquer 5. Limite, hop, voilà, et là, je vais crocheter. Crochet, je peux en faire beaucoup plus que 5, mais je vais en fabriquer que 5. Moi, pareil. 2. Ok, j'ai fait une connerie... Oh bah tiens, je fais carrément. Ok, nickel. Fier amplement. Tu l'as eu? Nickel. Ouais. Clé à molette, ça t'a eu 7. Ah, l'homme de main, je vais améliorer ma pelle. C'est quoi? Conservation des armes. Prenez à utiliser vos armes plus efficacement en combat rapproché. Homme de main, ça fait plus 3 de dégâts. C'est pas mal du tout. Ah, enclume. Du coup, moi je vais ouvrir. Ah, là, je veux d'accord. Ouvrir la porte. Donc comme ça, il y a une enclume qui fait que tu peux te servir, tu peux faire une grosse frappe au sol. Sympa. Fais gaffe parce qu'il y a un zombie derrière. Oui, je sais, mais c'est il faut voir pour la mission. Très, quelque part, parce que s'il n'y avait pas eu ça, quelque part, on aurait pas su que le mec était derrière, qui était déjà... Oh non, gaffe, pas prévu du tout. Recule. Oh putain, t'es tombé le casier. Ah, il a une lumière dessus. Oh, il a éclaté. C'était quoi ça? C'était la Karine, merde. C'est dingue. Un infecté gigantesque vient d'exploser sous mes yeux. Ouais, on les appelle des enflés. Nos gars en utilisent parfois pour tuer d'autres infectés. Tu leur tires dessus et ils restent tout dans un rayon de 3 mètres. Tu plaisantes? T'approche pas et tout ira bien. Et le messager, tu l'as vu? Non, j'ai vu personne, à part des zombies. Très bien. Il va falloir que tu ailles jusqu'au village dans ce cas. Le type... Oui, il a accroché le mur. Ah putain, bon, écoute, hein, je... On s'en va? Ouais, mais attends, parce que limite, je viens d'ouvrir ça, alors tant qu'à l'ouvrir... T'en faire bien... Oh, un knife! Un petit couteau simple. Encore un... Oh putain, mais c'est marteau, c'est la violence. Ok, bon, moi j'ouvre la porte. Ne pas ouvrir la porte. Je sais. Tu viens, on s'en va. Arrache. Ouais. Je regarde si j'ai pas quelque chose à faire. Non mais attends, faudrait peut-être qu'on fouille un peu, non? Quelque part. Ok. Donc t'es sorti, toi? Non, pas encore, très bien. What? Ah, voilà, ça c'est ma nouvelle compétence. C'est quoi? Glissade. Ouais, sous les objets, c'est plutôt Patrick, voilà, c'est plutôt Patrick. Tu viens, on s'en va. Il voulait dire Patrick. What? Et moi, je sais pourquoi ils sont nés, les zombies. Pourquoi? Bah, viens voir. Viens voir, tu vas voir. Parce que le mec, il a mangé des sushis au verreau. J'adore. Viens, on s'en va. Attends, je... Je te rappelle que le camp le plus proche est par là. Je voudrais fouiller un peu quand même, un minimum. Le strict minimum, à vrai dire, les amis. Putain, ils gueulent comme des porcs. C'est pas bon qu'il gueule comme des porcs parce que ayant joué un zombie, je sais qu'en gueulant, il repère les joueurs. C'est très mauvais pour nous.
Ouais, enfin, en gros, tu en gros, oui, oui, exactement. Ils ont également des tendons, certains zombies. Donc des gros, hein, t'en croises pas à tous les coins de rue. Et tu sais qu'on pourrait se faire attaquer par d'autres joueurs si la partie était pas en ami. Ça me ferait flipper, putain. Bah ouais, tu vois, parce que quelque part, les mecs, c'est des putains de PGM et tu dois niquer leur nid pour les buter. Okay. Tu viens, on rentre. Non. Moi, je veux... Oui, oui, je vais. Suis-moi. Oh ! Un crochetage très difficile ici. Y'a un mec en train de brûler à moitié, c'est dégueulasse. Continue, faut que tu me couvres. Sérieux ? Oui, vite ! Je suis en train de crocheter une voiture de flic, à l'intérieur y'a peut-être de l'armement lourd. Bah, en fait, là, non, en général, y'a rien, mais... Très difficile, en fait, très difficile. En fait, déjà, là, je suis en train de niquer une espèce de grosse bestiole. Mais putain, que tu vas ! Moi, je te couvre ! Je peux pas te couvrir. Non, mais je peux même pas sortir du camp, en fait. T'as une grosse bestiole. Ils sont trop violents, ces merdes, là. Il y en a deux. Mais je m'en fous qu'il y en ait deux, bien merde. Mais je peux pas, je vais me faire niquer. Mais arrête, putain, c'est... Okay, merde. J'arrive dès que je peux. Mais dépêche-moi, merde. Moi, de mon côté, c'est... Je vais vite que je peux. Ok, un mois. Voilà, tu vois, moi, il y en avait 5, pire que ça. Nique-le, putain, merde. Sur la pelle. Ping. Putain, je me fais violer. Je me tire. Merde, Kojitsa. Putain. Oh, putain. Oh, vite, cours, regarde pas derrière toi, cours. Bien, cours, vite, viens en deux. Tourne à gauche. Dépêche-toi, fais ton lapin. Même j'ai cédé lapin. Quand je te dis la nuit, connerie. C'était indigent. Ça, c'est de l'épicness. Vous n'avez pas à vous plaindre. Carrément. L'adrénaline et tout là. Ah, moi je. Ah pardon, mais en plus il me disait récupérer des points. Oui, c'est pour ça. 2300 points, il me disait. Ouais, c'est ça, 2300 points. Ah, oh, la vache. Ah, et les points en fait c'est pour Je viens de faire un truc trop pime. Ok, j'ai réparé mon petit couteau. Mon marteau, il n'y a pas besoin. Ah non, je l'ai pas réparé, j'ai bien fait. Putain, et c'était tendu, hein. Ouais. Putain, t'aurais dû voir, j'aurais jamais été aussi bien. Du coup, c'était ce coffre-là que j'ai essayé d'ouvrir. Alors là, les gens, je vous invite à faire retour pour revoir encore une fois cette action magnifique du BMDCD et du Codigza, qui sont des vrais lapins dans l'âme. Bah, en même temps, vaut mieux être un lapin que rien. C'est beau ce que tu dis tout le temps. Je sais, merci. Toujours beau ce que Kojix a dit. Même ce que bah remarque toi ce qui tiens, est beau, tu vois qu'il y a des trucs, écoute. Patte de baseball classique et ah, un bah, nouveau truc qui s'appelle le Templier que je vais tout de suite mettre à bas. Alors quelque chose de moins de 37 s'il y a la clé à molette. Clac. Oh, putain plus ah, oh. 14 de maniabilité quoi. Ouah. Ah ouais non moi là je suis en train de récupérer la masse de marteau. Pénitaire. Quelque chose de beau. Plus 14, plus 1 de résistance. Ah. Ouah, j'ai 24 crochets. C'est vrai que quand tu lui en demandes d'en faire un, il t'en fait 50. Oh. Un petit couteau. À la place de ça, parce que ça... Du coup, j'ai viens d'équiper un nouveau truc sur mon arme. J'en suis très content. Hop. Voilà, du coup, moi j'ai eu mon petit couteau en plus. Il est cool pour toi, écoute. Hein. Il n'y a rien là-dedans, à part cette. T'arrives. Bah, je vais faire un truc un peu violent, quoi. T'as fouillé l'intérieur de l'autre bidule ? Lequel ?
L'autre camion qu'il y avait, il y avait un autre camion de police. Ah bon? Ouais. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Punaise. Fous l'arrière des camions, même si ceux qui sont ouverts t'as très peu de chance, ainsi que quoi. Ils sont ouverts, t'as franchement. Eh, couvre-moi, s'il te plaît. Couvre-moi, j'ouvre le coffre. Ok, lame. Tube de. Petite toilette. Oh, c'est violent. Ah oui, c'est vrai, moi j'ai ça maintenant. Mais attends, j'ai super coup surpuissant, quoi. De quoi? Moi maintenant j'ai un truc surpuissant. Regarde, boum. J'ai fait le choix, lui. Non, mais tu t'as bien fait en fait. Ah bon? Mais en fait, souvent. Ah ouais? Ok, ben moi je me fais la malle, écoute. Aïe aïe aïe, moi aussi. Salut! Je crois que je vais me servir des shuriken. Shuriken! D'où tu me mords, toi? Merde! Moi je me bats, copain. Copain? Oh la vache, putain! Copain, aide-moi! Quand on parle, on parle beaucoup de zombies. Copain! J'arrive, j'arrive! Mais c'est sale pu! Mais c'est sale pu! Copain, il te reste 9 secondes, 8, 7, 6, tu vas mourir dans 5 secondes, tu vas mourir dans 4 secondes, tu vas mourir dans 3 secondes, tu vas mourir dans 2 secondes, tu vas mourir dans 1 seconde. Essuie-moi. Et au dernier moment. Essuie-moi, tu vas voir. What? Combo shot. Ouais. J'avoue, pour moi ça... Ping. Mais tu vois, on va monter sur le camion de police. Ping. Je te décale les dents. Désolé, il commence à m'énerver cela. Ping. Bon, alors tu vas monter sur le camion de police et tu vas regarder en face de toi. Tu vas penser à toute cette merde. Sur le... Putain. Et non, mais monte là et c'est encore plus horrible. Putain. Autant te le dire. Alors, Oui, bah je viens de te sauver la vie. Merci. Ouais, que dis-je là, faut défendre le toit. Et donc, en gros, tu tires une balle et t'as toute la merde du monde qui va débouler pour te... D'accord. Merde, 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 putain, casse-toi, merde. Fais pas le con, Jean-Mi. Que dis-je là, je suis dans le train, je suis dans le trou. Et de ma vie, c'est pas impressionnant, les zombies. Et c'est un épisode épique, les amis. Carrément. Merci, mais je vais pas tenir longtemps. Je fais ce que je peux. J'ai plus de shuriken. Où t'es dans le bus. Oh putain, je me suis retourné, il y avait 3 zombies ou plus. Ok, c'est bon, on est bon là. Écoute, je vais me fabriquer des... Oh merde, je peux plus faire de shuriken explosif. En fait, on doit traverser le pont. Bah, c'est parti. Non mais viens, limite, j'ai une idée, moi. Pétard. Oui, bah oui, pétard. Ouh, oh putain. Pétard. Dis ça, pétard. J'ai plus de pétard, j'ai que des flares. Tiens. Fabrique-en. Je vais fabriquer, faut que tu me couvres. J'ai un machin qui gicle. Dégage, toi. Attention, sur le bus, il y en a d'autres. Mais couvre-moi. Je te couvre. Je suis en train de jeter du pétard. Enfin, je vais jeter du pétard là. Ok, normalement j'en ai là, je suis moi putain. Là y'a pas besoin, Merde, dégage toi. Mais laissez-moi m'équiper de mon pétard. Mais merde, j'en ai pas fait quelqu'un. Ah, mais voilà, c'est. Ma cache-pied. J'ai 21 pétards en fait. Ah, y'a encore une marche Simpson là. Par là. Allez, tous par là, les amis. Dis-moi que t'étais en train de filmer. Oui, j'étais en train de filmer. Oui, putain. Sinon on avait un épisode d'Epicness dans le cul. Oh, il m'a poussé. Merde. Jackie, je peux pas venir t'aider. Kojima, pourtant j'ai besoin de toi. Je vais te faire confiance cette fois-ci.
Oh putain, mes aisselles. Coupe ça. Chaque respiration au niveau de mes aisselles est une chance de plus pour moi pour crever. Plus de 10 secondes. Je peux pas venir, je peux pas sauter, je peux rien faire, je suis désolé. Tu ne dois pas m'abandonner. J'ai dérapé. Et c'est un nip, et j'ai failli me rattraper, tu vois, limite il a commencé à choper le bord et puis bon. Ah, c'est l'horreur. T'avais commencé où, putain, moi qui commençais à me dire, ouais, bah, en fait, depuis le début, on s'en est bien sortis. Et ben là, t'as vu, et limite, c'était pas des gros zombies, mais t'as vu comment on a bien bouffé, quoi. Oh, y'a une rencontre, là. T'as vu le nombre de zombies, putain. Carrément. C'était la violence, et là, si tu veux, y'a un van de police. Faut qu'on retourne au pont. Salut, c'est... Ah Attends, bah celui-là. Ah ouais! Ah là, j'ai deux trous ducs qui sont en train de faire les lapins à côté des zombies. Ça t'intéresse? Oh non, pour les aider. Non! What? Tu feras gaffe, il y a des zombies gicleurs, c'est-à-dire que quand tu leur tires dessus, tu leur envoies un truc qui éclate, il y a... Bah c'est la violence quoi, ça... Ils giclent. On pourrait faire une méchante dingue. Je sais pas c'est quoi le plus horrible. Traverser quoi ou traverser ici que tu peux même pas... Si de contre... D'accord, ça c'est du crochetage, je vais te faire foutre. Godiza! Ah merde! Dégage toi! Avec des pustules là! Godiza, tu viens! J'arrive! Je suis le plus vite que je peux, ça c'est une ambulance, ça sert à rien! Ça sert à mort les ambulances en fait quand j'y repense, mais c'est pas grave!